Bien le bonjour YouTube, c'est Ferno et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 7 de notre aventure sur Amnesia Machine for Pigs. J'allais encore dire Pigs Machine, vraiment j'y tiens hein, ce nom, hein, depuis le premier épisode j'y tiens. Dans l'épisode précédent, eh ben, il s'était passé pas mal de choses. On avait grosso modo libéré quelqu'un, la fameuse personne qui nous promettait de l'aide, pas du tout. Et on en était venu arriver à Destroy complètement, enfin complètement, en bonne partie, la machine qu'il y avait sous terre, ce qui cause tous ces tremblements actuellement. Et on a fui à travers les rues, au milieu de toutes ces créatures mi-hommes, mi-porcs, avec même des hommes normaux qui se cachaient partout. Enfin bon, bref, c'est un début d'apocalypse, on a l'impression, hein, ça y ressemble très fortement. Je vous recommande d'aller voir les épisodes précédents si vous les avez pas vus, puisque je vais pas faire beaucoup plus de résumés que ça, on a à mon avis pas mal de choses à faire. D'ailleurs j'avais dit qu'on était peut-être sur la fin du jeu, on verra. Pour moi ça ressemble un peu à une fin du jeu, mais peut-être qu'il y a encore un peu de game, de temps de jeu derrière. On s'était laissé devant cet ascenseur qui nous amène tout droit vers la chaîne porcine. J'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir, mais à mon avis on a des petites horreurs à découvrir là-dedans. C'est moi où j'ai vu un truc marcher au-dessus. Je regardais pas au bon endroit, mais il me semble avoir vu un truc marcher au-dessus. Bah nous voilà de nouveau replongés sous terre, c'est un véritable plaisir. Nous qui avons cherché à fuir les souterrains pour pas crever des vapeurs de la machine. Est-ce une bonne idée d'aller là-dedans? Visiblement oui. Vu ce qui se passe à la surface, en vrai j'ai envie de vous dire, ça peut difficilement être pire. Me revoilà en ange de la vengeance et en saboteur, une fois de plus, je trouverai un moyen d'arrêter ce massacre. La machine a défailli au point de faire sauter ses verrous et ses portes secrètes. Quel choc cela a dû être de poignarder ses yeux, d'enfoncer des fils de fer brûlants dans ses oreilles, de marteler ses dents et d'introduire du verre dans tous ses orifices. Elle va suffoquer et alors je me faufilerai dans sa gorge et la poignarderai poignarderai le cœur de l'intérieur. Ouais, il a vraiment envie de détruire la machine qu'il a probablement créée lui, je suppose. J'ai l'impression qu'on marche très lentement. Ouais, j'ai l'impression qu'on marche très lentement. Arrêtez-le. Ouais, ok, d'accord. Bon, ça, c'est le logo de la magnifique chaîne porcine que je pensais qu'on allait rencontrer plus tôt, mais... Bah, visiblement, plus du endgame. Oh, le bordel. Par là, il n'y a rien d'intéressant. C'est écrit quoi? Le maître de fer. Ouais, un peu creepy la machine en vrai. Putain, ouais, d'accord. Ah, ça me met mal ce genre de truc là. On marche super lentement. Pourtant là, j'appuie sur la touche de sprint. Il y aurait quelque chose au bout. Il y a une flèche qui nous indique par là. Ah, ça fait du bien aux oreilles. Toi, je suppose que tu peux pas t'ouvrir. Si? Oh, si, très bien. Merci, j'aimerais bien remonter. J'ai vu qu'il y avait une échelle ici, on va juste aller voir ce qu'il y a avant. On est super lent. Oui, danger... Composé X, pas de flamme directe, pas de système électrique non isolé. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre en particulier? Ouais, peut-être vers là-bas. Ça, on peut le diriger, d'accord. On va peut-être faire exploser quelque chose vers là-dedans. Ouais, ça c'est le genre de machine... pas de machine, mais de... Ah bah peut-être si on le relève sur ça, ça va le faire, ouais. Je vais juste aller voir ce qu'il y a là. Ouais, c'est le genre de lumière qu'on avait utilisé la dernière fois pour tout faire péter. Et là... D'accord. Super. On n'aura pas trop le choix de descendre. Ce qui m'arrange pas trop parce qu'on va être face à l'autre, là. Et si je relève ça, est-ce que... Ouais, ça fait exactement ce que je pensais. Juste le... Ah, oh, mais c'est impossible d'être... C'est pas possible d'être aussi lent. Bien le diriger.
C'est tout? Ça se casse pas? Ça fait que des gros trucs électriques comme ça. Ok. Cette électrification doit être mortelle rien qu'au toucher. Maintenant, il va falloir confondre la machine et inonder le système avec, cette fois, un liquide mortel bouillant explosif. Pas de soucis, mon gars. Je sais pas trop comment on peut accéder par ça, mais bon. Mais vraiment, je suis ultra lent. Je suis quand même pas accroupi. Non, je suis pas accroupi, on est d'accord. Parce que là, je marche. Et là, oui, je cours, je vois une différence quand même. Et je sais pas, je me trouve ultra lent comparé aux autres épisodes. Je sais pas si c'est moi. Will they be free? Yes, my friend. Drake and bled and freed from the prison of the flesh. Free to ascend as smoke to the stars. And the good. The word. How are we safe there? Show me these worthy Mandus. Show me these good. I do not see them. Ah là, on a regagné en vitesse. Ok, y a pas de souci. C'était peut-être un bug. Je sais pas trop. J'ai cru voir l'interaction. Non, pas d'interaction possible. La triperie, bah oui. Que des noms jolis. Ça fait très Heavy Containment Zone des SCP. Ces couloirs. Je sais pas. Y a un air. Composé X. Pas de flamme, ouais, ok. Composé X, c'est cube de refroidissement, cette vie, préparation, ce composé X est le sang artériel de cette abomination, porté à ébullition, il s'en dégage de la vapeur qui entraîne les pistons, mais ici elle gèle et coule sur les composants pour les refroidir. Pourquoi plus je m'enfonce, plus elle se refroidit? Quel est cet impressionnant processus capable de générer une telle chaleur que la machine doit étancher d'un cocktail de sang et d'effluents? Ouais, j'ai une porcine, ok. Encore une note! Pompe de refroidissement. L'autre moi une possibilité. Ma première frappe, perturber ses rouages à l'aide d'un gros objet, devrait permettre de bloquer la circulation du liquide de refroidissement et d'augmenter la pression afin de fissurer les canalisations et de rompre les cuves. Ouais. Faut juste trouver le gros objet, quoi. C'est genre ça. Bon, oui, ça, c'est très bien. Par contre, c'est très lourd. Mais bah écoutez, je pense qu'on va quand même faire ça. Hein. Allez, tombe. Oui, nous par contre on va éviter de tomber. Est-ce que un ça suffit? Un ça suffit? Visiblement. Ouais, machine. D'accord, c'était juste pour l'avoir de plus près. Ok. Et ne plus avoir ce bruit assourdissant. Ça fait du bien aux oreilles quand ça s'arrête vraiment. Par contre, ça, je sens le monstre. Oh, tiens, du composé X. Je sens bien le monde dans le sort de. Bah, de couloir qu'il y avait avant. Voilà, par contre, maintenant, ici, c'est l'inondation. Hein. On se rappelle, hein, si ça clignote, c'est qu'il y a potentiellement un monstre. Ah oui, oui, c'est... C'est bien inondé par ici. Et si on remonte là-haut... Ça, c'est tombé. Il y a masse d'eau là-dedans, il n'y a pas de souci. Mais si je remets ça là... Ah, j'ai mis trop... Peut-être que le petit éclair électrique il va toucher toute l'eau maintenant, ça ira peut-être mieux. Faut le descendre. Voilà. Ouais. Et lui, il est probablement mort. Ouais, il est mort. Allez, let's go. Est-ce qu'on peut descendre sans risque de crever? Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Ça, on peut pas les pousser. On sait bien qu'il soit mort, au moins j'aurais pas l'affronter, ça m'arrange bien. J'aimerais juste... Aïe, oui d'accord. J'aimerais juste voir s'il n'y a pas quelque chose... Ah bah non, on peut pas ressortir, d'accord, donc on n'a pas le choix. Et là, je peux pas y retourner, donc on va vraiment devoir se jeter, je pense.
Bon, bah, je verrai pas s'il y avait quelque chose à voir au bout de l'autre salle. Tant pis pour moi. Bah, est-ce que je pourrais pas tout simplement enlever l'électricité aussi? Oh. Oui, voilà! Parce que là, je pense que la chute est mortelle quand même. On va faire le tour. J'ai pas envie de mourir pour rien, entre guillemets. J'ai réussi à ne mourir qu'une seule fois. Hey, c'est mieux que dans le Amnesia précédent. Bon, après, il a l'air beaucoup plus simple celui-ci. C'est plus vraiment un jeu pour l'ambiance, je trouve, que pour le gameplay. C'est un peu ce que je disais dans l'épisode précédent, mais... Ouais, non, d'accord, on peut pas passer par là. Mais si je ferme ça, je peux pas interagir. Bon, on va devoir se jeter, ok, y a pas de souci. Mais ouais, c'est plus un jeu ambiance, musique, etc. Ça, y a pas de souci. Mais niveau gameplay, il est beaucoup moins fourni que le premier, quoi. Ça, y a pas d'inventaire, y a beaucoup moins d'interactions possibles, etc. C'est beaucoup plus simple. Après, c'est pas forcément négatif non plus, hein. Alors, opération centrale de la chaîne porcine. Oui, ben... On tourne. On tourne. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Ça. Bon, allez, on casse tout. C'est devenu une habitude pour nous. Là. Voilà. Est-ce que tout est allumé ici? On continue? Moi je continue hein, s'il faut, hein, y a pas de souci. Voilà! Bon, on va peut-être s'éloigner un petit peu. Non, c'est bon, ça explose pas. Bon, au moins ça explose pas. I know what you fear. I will rain excrement into your very soul. I will destroy you. You are too late, Mandus. My great works are almost begun. D'accord. Donc en fait, cette voix, cette personne qu'on a plus ou moins réveillée, c'est vraiment la machine, ok. Je me demandais si c'était pas quelqu'un qui utilisait la... Ça se ferme ou ça s'ouvre? Non, ça se ferme. Qui utilisait la machine, entre guillemets, pour faire son apocalypse ou ce qu'il veut, quoi. Mais non, c'est carrément la machine elle-même. Oh, une note. 27 octobre 1899, pas de déchets, car ici les liquides et les entrailles sont passés au crible et triés avant de réapparaître par de moyens défiant l'imagination. Le produit transite par cette section du moteur avant d'être acheminé jusqu'au couperet, qui la tranche en deux sections, prête à rejoindre la boucherie. Dans l'interlude, il est conservé dans nos zones de réfrigération sous la maison. La chaleur générée par le processus de réfrigération se disperse ensuite dans les différentes canalisations et c'est la raison pour laquelle, mon cher ami, nous pouvons être assis ici en chemise et gilet, sans veste, en plein hiver, sans feu de cheminée, à discuter de notre grande entreprise. La chaleur qui nous traverse le corps provient directement de la chaleur qui traverse le corps de ceux qui sont sous nos pieds, sont exposés à la vapeur, au feu et aux couperets. Oui, bon, jusque-là... On recycle l'énergie, ça va, y a pas de souci. Ah bah oui, la fameuse triperie. Ça doit sentir bon là-dedans. Je le sens pas trop là. On va pas tomber, hein. Ah, comme ils sont mignons en train de jouer. Loin de ces temps, ces petits tas de pierres sont sous les rhododendrons, les crânes de l'innocence sous une motte de terre, une cage thoracique sans tête sur la pierre refroidie derrière les hôtels à 5 km de là. Je remonte le fil de ma vie, je parcours les chemins en pierre érodés par la pluie, les toxines sont déjà présentes dans cette humidité, c'est eau qui tombe. J'oquette, j'ai des haut-le-cœur et je vomis dans l'évier, puis j'attrape le bol avec les deux mains et je regarde. Là, dans le trou d'écoulement, très visible, une petite colonne vertébrale mécanique est élaborée, comme l'épine dorsale d'un enfant, mais mécanique. Qu'est-ce que cela peut être? Comment l'épine dorsale d'un enfant peut-elle être mécanique? Je l'ai soigneusement lavée avant de la placer sur la cheminée, près de l'œuf que j'ai moi-même posé dans le jardin où les crânes des enfants sont enterrés. J'appelle cela mon Mexique. Ils sont deux? Il y en a un qui dort ou qui est mort, je sais pas trop. Enfin, il y en a un qui est bien vivant, ça c'est sûr. Je sais pas si c'est de la
De la flèche, ouais, de la chair décomposée. Nous sommes du porc, nous sommes tous du porc. Ouais. Ok. Petite note. Ah, bon, bah, je peux pas ouvrir ça sur l'échelle. Pas de soucis. On va l'ouvrir en bas. Je sais pas qui c'est qui gueule depuis tout à l'heure, mais bon. T'entends, hein. C'est bon. Là, c'est un mur. Vers la triperie, elle est sérieusement touchée, j'en suis persuadé. Ses moqueries ont cessé, je la sens frémir autour de moi, tel un animal blessé gisant par terre. Je sens qu'elle me craint et je la déteste d'autant plus, tout comme je me déteste pour l'avoir libérée. Le sang bouillonne dans ma tête, mes dents vibrent. J'y déroule le cœur et je brûle de fièvre. Tel un ange de la mort, je suis ici pour étouffer le nouveau-né pour la mort des deux suivants. I am here again, at the foot of those stairs, towards the red light of the nursery. Sunset in the window like a bleeding sky, the horizon a slit throat, the seeping dark to drain the guilt from us. I am the jaguar-faced man. I am the feathered serpent. This priesthood is mine. Petite note au bout. Bon. Pas de notes, mais on sait qu'il y a un porc qui est littéralement en train de bouffer quelqu'un. Là, il y a son petit bras juste ici. Et ils sont plus deux, ok, d'accord. Bon, on sait qu'il y a du monde et qu'ils ont faim, visiblement. Est-ce que je peux me relever? Oui, merci. Ah, tout ce sang là. Eh, c'est bon, ça y marche. C'est pas un mur invisible. Your great engineer, how marvelous. I must say, Mr. Manders, my excitement is almost unseemly. Yes, I can see that. Step this way, Professor. I will be right behind you. Manders. Manders, where the devil are you? I can't see a damn thing. Manders! We are the pig, Professor. We are all the pig. Visiblement, on aurait tué le professeur. Ouais, ça coule de là-haut, d'accord. Putain, mais toute cette quantité de sang. La vache. Bon. Bonjour les enfants. Vous allez disparaître, hein. Ouais, en vous arrachant le cœur encore. Moi je me retrouve téléporté, il n'y a pas de souci. J'ai pas le choix d'avancer. I climb in stillness now. Blue water runs in my veins, now I am clean. I carry the knife of this factory, the bowl of this mill. I am come to collect you from your fields and your furnaces. I will gather you into the white clouds. I will gather you to me, and I will take you home. Ah oui, d'accord, non, c'est juste une pièce immense, ok, je pensais que c'était un immense vide, mais non, c'est juste la pièce qui fait une taille monumentale. La vache. J'aperçois difficilement les choses autour de moi. Je pense que j'ai pas trop le choix d'aller tout droit. Ah oui, d'accord, ils s'en fait bouffer le ventre, y a pas de soucis. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Je pense qu'on va descendre. Ouais. Hear me, Mandus. My gears are adjust. My steam is built. Soon I will spill that blue water and split the egg, the atom, my soul. And there will be a very great burning that we might make the world clean. Be proud, for this is your doing. Until you steeped me in the blood of your own, I was nothing but rotten architecture. You have made me, and I will make the world anew. Mm.
La machine qui veut créer l'apocalypse, y a pas de souci. Pas une petite note. Pas de petite note. On a changé d'endroit. Ouais. Il n'y a plus rien d'écrit. On doit être dans la... Peut-être toujours dans la triperie, je suppose. Dans mes rêves, je marche avec mes enfants, j'arpente des tunnels que personne d'autre n'a arpenté, j'en suis certain, il n'y a que moi et lui maintenant. Les manches de mon manteau se couvrent de givre, le silence de mort et l'air glacial me disent que je suis tout prêt. Éviscérateur à vide. D'accord. Tuyau d'ébouillantage. La saucisserie. Ouais. Toujours la saucisserie. Tuyau d'ébouillantage, ok, ça se double. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Viscérateur à vide. Pré-broyage de la tripe. Enfin, de la triperie. Oui, de la triperie. Ok. Oui, bah dans le précédent, ça parlait de torture et compagnie. Là, oui, bon... On fait une usine de corps humain pour nourrir des cochons, y a pas de souci. Je sais pas lequel des deux est le pire. Why did you take my children? I, Mandus. Of all the blood we have spilled together, the first drops fell from your hands alone. Then I am damned for a filicide. And everything is lost. J'ai quand même ma petite idée. La chaîne de pour tuer des humains, ça me met un peu plus mal à l'aise quand même. C'est plutôt lui le pire, je pense. Quand ça clignote, il y a des monstres à proximité. Compagnie de traitement Mandus, cube de distribution d'orgone. Accès à la maintenance. Qu'est-ce qu'un orgone? Ok. Là, j'avoue, je flippe un peu. Je pensais qu'il n'y allait pas avoir de monstre. Mais vu que ça clignote, je me dis qu'il y en aura peut-être. Oh, les bruits sont horribles. Juste voir ce qu'il y a d'écrit au-dessus. Accès à la maintenance, ouais. Oh, bah c'est ouvert. Bon, je vais peut-être couper des trucs derrière, mais tant pis. Ça s'est fermé. Ça aussi. Ça s'est ouvert. Suspension, ouais. Ah, je suis tendu. Je vous jure, je suis tendu. J'arrive pas trop à voir s'il va y avoir des monstres ou pas. Et ça me stresse. Là, on est au cœur de la machine. Enfin, je sais pas si on en est au cœur même, mais on en est de plus en plus proche, ça c'est sûr. Oh, quand les lumières s'éteignent, là, c'est pas bon signe. Oh la vache. Oh la vache. Oh, le méga monstre! Non, 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 non. Ouh la vache. Il est où? Oh, il est là. J'ose pas prendre la lampe, parce que je sais que ça va l'attirer. J'ai l'impression qu'il se TP en plus.
Oh, il est juste là. Non! Fous-moi la paix! Ah! Ah bah oui, si je cours dans un mur, oui, ça va pas aider. J'ai pas réussi à activer le truc. C'est bon. Oh la vache. Ouh. Ok. Ah, j'ai pas besoin de la version méga évoluée de ce truc. Bon, nous, on venait de là-bas, je crois, donc on va aller par là. Compagnie de traitement, suspension électrogravitique, tour sud. Ouais, pas trop le choix à mon avis. Ça, ça doit pouvoir s'ouvrir. Peut-être pas. Par là, oui. Et par là, non, du coup. Par là, non. Oh non, pas encore un. Ouais, tour sud. Bon ben, allons-y. Oh, et là on a l'air d'être assez haut quand même. Only to save you. Only to spare you. I would have given my soul to spare you this world and its load. My children, what have I done? What have I become? I will put it right, my darlings. All of my wrongs will be righted. All of my sins washed clean. Yes. J'adore j'adore les musiques du jeu. Et le storytelling, tout simplement, je l'aime beaucoup. 28 décembre 1899, les souvenirs reviennent tels des cadavres bouffés remontant à la surface de la Tamise. Je les ai observés, recouverts du sang de leur défunte mère, tels de petits cochonnets émaillotés, et mon cœur s'est une nouvelle fois empli d'un immense amour doublé d'une haine dévorante et inimaginable. Est-ce à ce stade que mon âme s'est scindée et l'a créée? Est-ce là l'embryon de mon âme, le moment où la grande horloge a commencé à tic-taquer? Est-ce la seule voie vers la rédemption? Dois-je à nouveau devenir un pour boucler la boucle et apprendre une nouvelle fois à aimer ce fou et lui pardonner et me pardonner. I love you, my darlings, and I am sorry. I am sorry for all I have done. I simply loved you all too much for this world. Oh, les petits bruits d'électricité là, ça me rassure pas de fou. J'ai l'impression que je peux me prendre une décharge à tout moment. Gauche, droite, bon allez, gauche. Mandu, c'est ça, je cherche des instructions, des conseils, de l'aide pour parvenir à mes fins, mais au lieu de cela, le système me nargue, imbécile, me dit-il. C'est à vous qu'il revient de trouver les réponses. Mandus, put aside your misguided crusade and let me save them. You may hate me, Mandus, but I have seen the future, your 20th century, and let me tell you this, a far greater slaughter awaits you there. I seek to save the world by blood now, before millions fall beneath history, pushed under by blade, bullet, and gas. Oula. Oh, la téléportation. Ok.
Non, non. Oh si. Ah bah si, hein. Ah, il se TP, je déteste ça. Pourquoi il a le droit de se TP? Il va passer devant moi, je vais mourir. Je vois le futur. Ok, non, il s'est TP en passant devant moi, il n'y a pas de souci, moi je me casse. Et je me casse direct. Oh putain, sa mère! Allez, ciao! Il va se re-TP devant, j'en suis sûr. Ah non, c'est moi qui ai le droit de me TP. Il n'y a pas de souci. Bon, on est à l'intérieur. D'une sorte de méga tour électrique, ouais, c'est le cas de le dire. Oh la vache. On peut faire de la musique avec les trucs là. Ah bah le cœur de la machine, ouais, bah yes. Est-ce que je peux l'attraper? Non, je peux pas. J'ai rien pour... J'ai rien de particulier ici, à part un effet très désagréable. Est-ce que je peux t'électrocuter? Non, je sais pas. Ça, je peux pas ouvrir. Là, je peux pas descendre. Hein. Non. Je crois que j'ai pas trop le choix. Hein. C'est... quoi les jeunes noms? Ouais, électrogravity. Qu'est-ce que je peux bien lui faire à ce cœur? Est-ce que je peux pas l'attraper? Je peux pas faire grand-chose vers ici. Il y a un truc que j'ai pas dû capter. Oh, par contre, cet effet. Ouf. Je peux pas sortir. On va faire le tour, c'est pas grave. J'ai fait dans ce corne 15 fois le tour. Ah bah voilà. Il suffisait de regarder. Un peu lever les yeux au lieu de tout le temps regarder vers le bas. Là. Ok, on va allumer toutes les bobines, c'est ça? Y a pas de souci. S'il faut électrocuter le cœur, je le fais. Hein. Ouais, ça va être ça. Hein. Je le fais, hein, je vous jure. La machine, elle va exploser, c'est moi qui vous le dis. Elle a flambé! S'il faut que je redescende, faut que je trouve par où, mais... Bon, ça doit être par là que je suis arrivé. Ah non. Là non. Là non plus. Là oui. Est-ce que je dois me faire électrocuter moi-même pour que ça électrocute le truc? Oh, ce serait des... une fin un peu triste pour le gars, mais vu ce qu'il a fait, bon, voilà.
Je m'attendais pas à ce que ça fasse ça, honnêtement. Je m'attendais à un gros éclair, une explosion partout, là, boum boum. Non, mais non. Non, non. Juste grosse flashbang. Flashbang. Et. Transition de zone. Lives. Mandus, stop. Think about what you are doing. For your children, Mandus. Do not speak of my children, monster. I did not kill your children, Mandus. You sacrificed them at the temple steps, knowing what the coming century would do to them. Your sons will drown, lungs full of mud and shrapnel on the banks of the Somme. You wanted to save them from the horror to come. That is the vision we shared. Everything we have built to avert this coming nightmare. You and I are one. We are the same. Our souls are entangled. We deserve to make them free. I have dug trenches for the refugees. I have murdered dissidents where the ground never thaws and starved the masses into faith. A child's shadow burnt into the brickwork. A house of skulls in the jungle. The innocent Mandus trod and bled and gassed and starved and beaten and murdered and enslaved. This is your coming century. They will eat the Mandus. They will make pigs of you all. And they will bury their snouts into your ribs. And they will eat your hearts. For your children.
I lay there and watched the god I had created die. At the end, when we were cold as the stone we had hewn his body from, when the lights were nearly all extinguished, we heard, in the silent distance, the man-pigs singing to one another. Then, as the last lights were gone, and we lay together in the deep, they drifted away, and all was silent. Such a silence I have never known. And as the dust settled on my open eyes, and we lay together embraced forever, I heard, miles above us, the sounds of the city turning over in its sleep. The church bell ringing out. And in that moment, the new century was born. Très bien, et ben il n'y a pas de souci, c'est pas trop la sorte de fin que je m'attendais, mais un petit peu en même temps. J'aime beaucoup le storytelling, mais encore une fois le gameplay, c'est pas ça, c'est pas trop ça. Enfin bon, ça a évoqué des thèmes que je n'osais pas, pas vraiment dire en vidéo, parce que voilà, YouTube, il y a des mots qu'il aime pas. Mais je trouvais que ça faisait très... Quand j'ai sorti chaîne de production pour tuer les humains, j'avais une période de l'histoire un peu en tête. Et ils l'ont eux-mêmes dit. Et j'aime bien le fait que ça soit en mode... On va vous éviter de faire ces horreurs, donc... Autant vous purifier maintenant. Enfin, j'aime bien la manière dont c'est présenté. Ça fait un peu psychopathe dit comme ça, mais... Faut réfléchir au fond, pas à la forme. j'ai tout le temps des manières de formulation un peu bizarres. Mais bon, enfin bon, bref, voilà. Mais, très bon jeu, mais ouais, le gameplay c'est pas ça. C'est un film interactif en fait, on fait que avancer, il y a un petit peu des moments, voilà. Il y a des monstres, quand on n'est pas doué, on se fait taper. Mais même ça, je trouve que... Est-ce que j'étais mort une fois? Oui, j'étais mort une fois quand même quand je me suis fait poursuivre par un monstre, mais sinon... C'est vrai que les monstres, ils ont du mal à vous tuer, quand même. J'ai l'impression que le jeu, il veut pas vraiment vous éliminer, pas comme dans le premier. Enfin, c'est très différent du premier, mais c'est un très bon jeu aussi. Voilà, c'était très sympathique de le faire sous la chaîne. J'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits retours. Et puis ben moi je vais me relancer une partie pour aller chercher les trophées qui me manquent, enfin les succès qui me manquent, c'est-à-dire d'avoir toutes les notes et probablement d'avoir tous les succès. Le dernier ça doit très sûrement être ça, il y en avait déjà un comme ça pour le premier. Et on va se laisser là pour cet épisode et pour cette série, avec une série d'horreur qui viendra bientôt, quand je ne sais pas, enfin bientôt, ouais je vais pas dire bientôt, qui viendra quand je ne sais pas. Le jeu, j'ai ma petite idée. On a encore d'autres amnésies à faire, mais j'ai pas installé tout de suite Rebirth. Surtout que j'ai pas de wifi en ce moment, donc 30 gigas, ça ira pas sur ma 4G. Non, non. Et mais on aura par contre un jeu un peu plus chill qui va arriver, probablement du Noita si c'est pas arrivé entre temps. Ça dépend de quand je tourne, comment, etc. Parce que normalement ça sort en octobre déjà cet épisode. Donc bon, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis au revoir. Et à bientôt.